Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série concernant Deadpool. Alors pourquoi Deadpool? Parce que déjà c'est un personnage que je surkiffe, hein, voilà, c'est mon personnage préféré de Marvel. Je lis les comics et tout ça, donc je connais un peu son histoire. Oh bonjour. Où j'en étais? Je suis un peu perturbé là. oui, donc voilà, je lis les Marvel, hein, et enfin je lis les comics de Deadpool, qui sont très très intéressantes, hein. Si vous devez commencer à lire des comics, je vous conseille de lire les Deadpool, c'est vraiment une série énorme. Alors pourquoi ce personnage est particulier? Déjà parce que c'est un anti-héros. Comment ça un anti-héros? Alors, c'est tout simple en fait, c'est juste que c'est un mercenaire, du moins au début, c'est un mercenaire qui se fout de faire des missions de gentil ou de méchant. Tout ce qu'il veut lui, c'est... En fait, c'est gagner de l'argent. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Tant qu'il gagne de l'argent, il est content qu'il fasse des choses bien ou des choses mal. Et puis aussi, ce qu'il kiffe, c'est tuer des gens. Voilà. Bon. Néanmoins, au fur et à mesure du temps, mais bon, je vais pas spoiler, il devient un peu, entre guillemets, gentil. Et il finit par être collègue avec Wolverine, oui, et rentrer dans son équipe. Ouais, super. Mais bon, voilà, je vais éviter de spoiler tout ça. Il a autre chose de particulier, c'est que déjà, en fait, il parle à nous, en fait, il nous parle. Parce qu'il est au courant qu'il est dans un jeu, dans un comics ou dans un film, hein, pour le film qui va bientôt sortir. Et donc, voilà, et comme il est au courant, il interagit directement avec nous. Ensuite, à cause de ses multiples... expérience qu'on a eu sur lui, il est devenu complètement starbé. Oui, il est schizophrène, il est dingue. Il est mais vraiment complètement schizophrène. Hein. Il parle à plusieurs. En fait, il parle à des bulles de dialogue. C'est voilà. Que dire d'autre sur lui? Ah oui, il a ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Eh ben en fait, il n'a pas particulièrement de pouvoir, si ce n'est qu'il est invincible. Oui, il est invincible. En fait, il a une capacité de régénération semblable à celle de Wolverine, puisque c'est le même test, hein, en fait, ils ont fait les mêmes tests, hein, entre guillemets, de régénération sur Wolverine et sur lui. Sauf que c'est plus poussé et il a la capacité de se régénérer pratiquement instantanément, on va dire. Il est il est invincible parce que il se régénère directement. Et pour l'anecdote, on lui a déjà coupé la tête. Et pourtant, il est toujours là. On va pas s'attarder sur lui, hein, vous allez voir son histoire sûrement au fur et à mesure. J'ai mis continuer, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, relancer le chapitre. Oui voilà, j'ai déjà commencé, hein, pour faire les sons et tout ça. Allez, je vous laisse regarder la cinématique. Deadpool, it's Logan. Got your message. And for the last time, no. You cannot take our Blackbird out for a joyride. Stop calling about it. Ouais, l'équipe X-Force. Hey Deadpool, it's Domino. So, I got another contract for you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I mean, it was just supposed to be that one time, and I... Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, I looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the Deadpool. Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius. So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five!
No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that, geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man. But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No. But me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever. Freaky cellular regeneration for the win, bitches! And another big difference is, we kill the shit out of people. Damn right. Et voilà, hein, donc comme vous pouvez le voir, bon, clic. Le bruit. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? Ah, voilà, il nous parle à nous. But oui, on surveille. I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another. Je te contrôle même, hein, tu vas voir. Oh, it's gonna be one of those. Eh oui, c'est huh? Comme ça. Donc voilà, allez, je vais vous, on va explorer l'appartement où là, j'arrive plus trop à parler. On va explorer l'appartement. Moi, j'ai déjà tout exploré dans une version plutôt de test. Et vous allez voir, c'est hilarant. Allez, on va regarder la télé. C'est son histoire en fait, vite fait entre guillemets. So, let's see what's on the old boob tube. Deadpool, branded as both hero and villain. Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Click. Alors les... Ah, ça sonne à la porte. Mais on s'en fout, on n'ira pas regarder. Donc voilà, les chimichangas, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des tacos ou un truc comme ça. Mais... Pour faire ta chienne. C'est ta chienne. Il adore les crêpes, hein. Ah, c'est peut-être ça les chimichangas en fait, c'est peut-être des crêpes. Les crêpes de tacos. Ah, d'accord. C'est possible, ouais. Effectivement. Non, je vais pas répondre à la porte. C'est le prologue. Au début, on reste dans l'appartement. Il n'y aura pas d'action. On aura l'action dans les prochains épisodes. Oh, allez, on va jouer de la guitare. Obviously, the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Donc le mec des accessoires, hein, il entend par là. Wonder what's in here. Jeu. Il pourra here lui. We go. Allez, on met de l'eau partout. De toute façon, c'est bien dégueulasse. Hein. Ta maison, elle est bien dégueulasse, Deadpool. Tu pourrais faire un I'm effort. Not really hungry, but all right. Allez, on va manger une pizza. Manger un bout. That's non. Right. Huh. Really didn't think this mask thing through, did I? Eh, il arrive quand même à manger, on dirait. Hein? I've got an issue here. Ah, regardez, il a réussi à manger quand même un petit peu. Damn it. Yeah. Like a cheap outsourced prop. Let me guess. I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ah, you last second schmucks. Olé, le petit chapeau de chef qui va bien avec. I love the smell of pancakes in the morning. Ah, the pancakes. Et t'en as pas fait un peu beaucoup là? Tu vas manger tout ça toi? Elles sont épaisses en plus, hein, ces pancakes.
Okay. Okay. Allez, on ouvre. All right. Bet you thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Attends, y a pas de sous, y a rien. J'aurais voulu, hein. Shit. Got to add the fabric softener. Spare uniform's gonna be all itchy. I hate an itchy ass. An itchy ball. Oh. Ah, forget about it. Donc oui, alors ce jeu est en anglais. Enfin, les voix sont en anglais. Pourquoi? Parce que ben, il est très gore et très vulgaire. Okay, let's see. Et the mustard is still here. En France, ben, ils acceptent pas trop ça. Allez, on boit. Bois. Enough with the damn beer. Healing factor won't let me get drunk anyway. Ah merde. D'accord, donc en fait, bah, il peut pas boire à cause de son facteur de régénération. Wonder what's in here. Ah, alors là, vous allez voir sa jolie tête due aux expérimentations. Why would anybody want to see that? Un mort-vivant. I sure as hell don't. Why did they think I wear a goddamn mask? C'est partout, c'est par, c'est pareil pour tout le corps. The whole tragedy behind the comedy thing. Ooh, yeah. There we go. C'est beau l'avoir déjà vu, ça me fait hurler de rire. Much quoi. More. Bon, je me retiens, hein, je vous rassure. Fine. You J'ai une gueule dans ma barbe. Hundreds of I gotta love the ones that make you sweat. J'adore ce qu'ils font suer. Ah, ça y est, allez, sur le portable. Et il a rangé où, au juste? Dans son it cul? Burns! Oh, mother of God, it burns! Ah, énorme! Bon, allez, on va passer, on va pas passer notre vie aux toilettes, hein, non plus. Faut pas exagérer. Passer un coup de fil. Nolan, hey, what's up, buddy? We're making a game about me. Gotta have you do the VO, man. I mean, see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe we just make you, you know, maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody that's like, forget the boobs. Let's just go for pecs. You know, pecs and biceps. Forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking, and we'll see what we can do. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in. Gotta take it. Good luck with the game, though. Yeah, well, fuck you, Nolan. Oui, voilà, c'est un gros pervers, hein. Faut pas dire direct les boobs. Faire ta chienne. Mais non, j'ai déjà fait ça. Non, je ne t'ouvrirai pas, cherche pas. Insiste si tu veux, mais je t'ouvrirai pas. Je vais dormir. Food coma. Coma alimentaire. Allez, gratte-toi le cul, allez, ça y est. Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? No. That would be embarrassing. Oui, c'est vrai que si on voyait ton rêve, ça serait... Surtout, petit ami sexy. Si on voyait son rêve, ça serait embarrassant. Vu pervers comme il est, en plus. Oh, sexy girlfriend. Damn it, Cable. You're wearing the same dress as me at this ball. Major fashion faux pas. Not cool summers. That's right, bro. Take it off slow. C'est un gros pervers. Slower. We're finally gonna get lucky. Now, turn around and. Oh my God, is that Wolverine? Excusez-moi. No kisses. No kisses. Okay, fine. Maybe just the one. J'avais pas vu ça.
Oh mon dieu. We're talking in our sleep right now, aren't we? I didn't hear anything. Yeah, me neither. Allez, on va pas dormir toute notre vie hein, non plus. Oh mon dieu. Malicia? Wolverine? Allez, on va lire un peu une BD. Now where did I put my autograph New Mutants issue 98? Huh. What is this cheap prop? Well, this was clearly made by a junior artist. Un artiste, là. Let's see what's behind door number one. Comme il doit s'impatienter, n'empêche le mec qui est derrière, ou la meuf, je sais pas, je suis jamais allé derrière encore hein, pour l'instant. Ah ah! Vous entendez? Ah, vous voyez déjà? Don't make me ne do fais this, pas faire please. Ça, pitié. Je sais ce que c'est. Alors, on se sent seul. Oh, really? She always looks so surprised to see us. If this game had a shame meter, it'd be full right now. We're not gonna put our penis in that, are we? Vous voyez, hein, par exemple, pénis en français, traduit en français, ça aurait pas été accepté. Ah tiens, j'avais pas fait ça. Ah si, c'est. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Non, je ne répondrai pas. Allez, je vais surfer. Voilà. You know why I love the internet? Because it's just like me. Vulgar, combative, and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes, and yes. Ooh, new syspop videos. Favorite! How do I update my status to erect? Ryan. Parle de Ryan Raymond. Ryan? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Let's see if there are any new Merc job postings. Status update. Just had the best chimichanga from Samantha's Tacos. Je crois qu'ils ont déjà My testé toilet bowl un peu approves. Hello, friend requests. Oh, people love me. Duh. Time to update my resume. Ooh, I haven't cyberstalked Siren today yet. Ah, une Siren, c'est la femme qui est amoureux. Hein, yeah, it reminds me of an old point-and-click game. Il la surveille. Il me semble hein, que ce soit si mes souvenirs sont. Bah allez, c'est bon. J'espère qu'on a tout vu. Voilà, c'est petit épisode découverte. Et il nous reste... tu veux pas te lever, là? Je crois qu'il a bugué. D'accord. À mon avis, il a bugué. On se retrouve tout de suite après avoir fait débugger. Re tout le monde, j'ai fait débugger ça. Et on va voir le dernier truc à voir dans cet appartement, c'est-à-dire... les armes, parce qu'il se trouve que Deadpool utilise des armes à feu, mais aussi des armes blanches. Hein. Il est très fort d'ailleurs au sabre. Donc voilà, il a deux sabres en principe, hein. Il a toujours deux armes avec lui. Et comme vous pouvez le voir là, un deux, trois couteaux, mais bon ça c'est exceptionnel. Les deux sabres en haut, les deux marteaux, on sait pas ce que c'est, j'ai hâte de voir ça. Allez, on va voir l'arsenal. Oh, it's like... art that I can shoot people with. C'est comme de l'art avec lequel je peux... Oh, look at these bored weapons. Just waiting to be used. Oh. Et donc voilà, cet épisode prologue est terminé. J'espère vous voir nombreux sur cette série.
au prochain épisode, donc l'épisode 1, hein, pour l'instant c'était juste une mise en bouche avec l'appartement de Deadpool, aucune action, rien. Même si apparemment, d'après ce que je sais, le gameplay ne fait pas le jeu, c'est surtout l'humour, hein, parce que il correspond parfaitement aux comics et aux personnages. Et c'est pour ça que j'ai voulu y jouer, moi, non pas pour le gameplay. Donc j'espère qu'il répondra à nos attentes. En tout cas, je vais vous laisser ici, derrière cette porte, mais je ne vais pas l'ouvrir, je vais laisser du suspense. Eh oui. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas, montrer à quel point ce jeu est magnifique. Enfin, je l'espère, hein, du moins, on va voir ça avec vous. Et un petit j'aime, ça fait plaisir. Des commentaires, hein, si vous avez des critiques constructives à dire, n'hésitez surtout pas. Je ne suis pas... j'accepte les critiques et au contraire, ça me fait avancer. Donc j'espère que j'en aurai quand même, mine de rien. Enfin bref, Deadpool va-t-il ouvrir la porte? Qui se cache derrière cette porte? Deadpool va-t-il être content de voir cette nouvelle personne? Est-elle une fille? Est-elle un garçon? Deadpool va-t-il réussir à se décider si oui ou non il va ouvrir la porte? Ou va-t-il retourner aller se coucher? Vous le saurez au prochain épisode de Deadpool. Bisous, bye bye.